Oui, bonjour à tous. Alors, on a des questions régulièrement sur la manière d'insérer des images dans un blog, dans un forum, dans un wiki, dans un cours sur Spiral. Alors, c'est relativement simple. Donc, la première chose à faire, c'est d'insérer l'image dans la base de données Spiral, sur la page activité. Donc là, je vais en chercher une au hasard. Ajouter fichier, image. Je vais mettre n'importe quoi comme image. Ben par exemple, celle-là. Tac, je la charge. Donc là, elle se retrouve dans la base de données. Ensuite, ben, j'ouvre le blog. Une question. Je clique sur ajouter un post. L'éditeur s'ouvre. Photo. Et puis là, bon, je peux mettre mon texte. Bonjour, patati, patata. Et je vais insérer mon image. Donc pour l'insérer, je vais me servir de l'outil insertion de ressources de la plateforme. Je clique là-dessus. Je vais chercher l'image en question. Je la sélectionne. Et ensuite, j'ai plusieurs modes de présentation. Et je sélectionne incruster. Et là, je fais insérer et fermer. L'image. Et incrusté. Donc ensuite je peux la réorganiser, la redimensionner, etc. Petite remarque d'ailleurs là-dessus, c'est que je peux coller un lien sur l'image en question. Par exemple, je vais faire le lien vers ce site-là. Donc là, je colle, je récupère l'URL, CTRL C, copier. Puis je vais sur l'image en question. Je colle, je sélectionne lien hypertexte. Là, je colle le lien, CTRL Je sélectionne le mode d'ouverture. Là, je vais faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Insérer. Bon, là, sur un blog, ben, je vais rentrer les tags, hein, s'il y a besoin d'en rentrer. Et je clique sur enregistrer. Oh, donc là, voilà, je me retrouve avec mon billet dans le blog, l'image, et si je clique sur l'image, ça m'ouvre un autre, dans un autre onglet, le site de référence. Voilà. Donc ça marche évidemment pour tout ce qui est forum, wiki, tout ce qu'on veut. Mais il est vrai qu'il manque dans l'éditeur HTML de Spiral un outil directement qui serait uploader une image dans ma base média directement, comme on peut le trouver par exemple sur WordPress ou sur d'autres outils numériques. Voilà. Bon, ben bon courage à tous et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Bonne journée.